Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, vous qui me suivez en direct de Branham TV et sur internet sur www.branhamtv.be. C'est encore moi, votre bien-aimé frère Exode Chiango. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui éventuellement pourrait, je dirais, aider quelqu'un qui est dans le monde, qui est peut-être dans le besoin, qui se pose peut-être des questions. Et je pense que ce que je dirais aujourd'hui, ça pourrait éventuellement être la chose la plus capitale. Surtout quand on parle du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, le prophète Branham dit que le Saint-Esprit, c'est l'éternité même, c'est l'éternel, c'est la vie éternelle. Donc, une personne qui est baptisée du Saint-Esprit, n'est-ce pas que non, il a l'assurance que, n'est-ce pas, que quand on parle de l'enlèvement, il aura l'assurance à partir de ce jour où il était baptisé du Saint-Esprit et il doit connaître ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé, et à partir de ce jour-là, c'est là qu'il aura, n'est-ce pas, la ferme assurance que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, et n'est-ce pas que non, il ira dans les airs rencontrer son époux. Et sans plus tarder, je vous demanderai, n'est-ce pas, de prendre vos Bibles dans les Actes des Apôtres, comme le prophète Branham dit. Bon, c'est dans le monde que nous disons que c'est les Actes des Apôtres, mais c'était plutôt les Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, dans les apôtres. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est là que nous avons vu les apôtres, n'est-ce pas, se comporter d'une certaine façon. Et c'est cette façon-là de se comporter, cette manière de se comporter, c'est ça que nous allons essayer de décortiquer un peu aujourd'hui, n'est-ce pas, en répétant toujours ce que le prophète Branham a dit. Parce que nous, les prédicateurs, avions reçu la recommandation de répéter exactement ce que disent les bandes. Vous savez, bien aimé, il y a une chose, moi, ça me dérange un peu, de voir un prédicateur qui se tient du haut de la chair et nous, lui, il ne fait que nous citer les Écritures, mais ne pas nous rappeler ou nous réciter, n'est-ce pas, ce que le prophète Branham a dit. C'est bien que tu le sortes de toi. Le prophète Branham a dit ceci ici, le prophète Branham a dit ceci, mais ce qui nous donnera encore confiance de ce que tu dis, c'est quand tu nous lis le prophète. Parce que nous avons reçu la recommandation de répéter exactement ce que disent les prophètes. Le prophète qui, de notre temps, de notre âge, William Marion Branham. Ce n'est pas difficile, frère. Parce que quand tu répètes, quand tu lis ce que le prophète Branham a dit, la personne qui a déjà lu ça, il y aura une profondeur en lui qui appellera une autre profondeur. Ce n'est pas ta pensée qui est la profondeur de Dieu, mais c'est la pensée qui est dans le message que toi tu répètes, qui est la pensée de Dieu. Et c'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Et prenons nos Bibles dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, en commençant au premier verset jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il est dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons prier notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre tendre Père Céleste, toi le Créateur des cieux et de la terre, toi le donateur de tout don excellent et parfait, ô grand roi, c'est toi qui es l'époux de l'épouse, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Parce que, Père bien-aimé de Tout-Puissant, ce jour-là, tu as dit à Branham que ton message allait préparer sa seconde venue, Père bien-aimé de Tout-Puissant. C'était le message, ce qui sortirait de la bouche de Branham, Père bien-aimé, qui allait préparer, Seigneur notre Dieu, tendre Père Céleste, l'épouse aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant.
Branham, il est parti, oh Dieu de gloire. Mais le message est resté. Et le message a continué son travail, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Ainsi, Père bien-aimé de Tout-Puissant, c'est ce message, Père bien-aimé, que je vais essayer de réciter aujourd'hui, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Seigneur, Père bien-aimé, ce message, Père bien-aimé d'aujourd'hui, ce n'est pas pour captiver des millions d'âmes, Seigneur mon Dieu, mon Père. Mais ce message d'aujourd'hui, Père bien-aimé de Tout-Puissant, a juste besoin de capturer, Père bien-aimé de Tout-Puissant, une âme, Seigneur Jésus-Christ, pour toi. Ainsi, Père bien-aimé, fais-le. Ouais, moi, ton serviteur, Père bien-aimé. Enlève toute la pensée de l'homme, Seigneur Jésus-Christ. Enlève, ô tendre Père Céleste, tout ce qui est le moi, Seigneur mon Dieu, mon Père. Père bien-aimé de Tout-Puissant, viens me oindre, Seigneur notre Dieu. Oins ce vase, tendre Père Céleste, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'édification, Père bien-aimé de Tout-Puissant, du corps du Christ qui me suivra, Père bien-aimé, partout dans le monde entier. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, ô grand roi, au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié, ô grand roi. Amen. Très chers amis fidèles téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet très très capital. Et n'est-ce pas que ce sujet-là, je vais l'intituler « Agir comme ivre ». C'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire. « Agir comme ivre ». Et nous voulons nous entretenir tout autour de cela. Pourquoi nous devons agir comme ivre ? Pourquoi est-ce que nous agissons, nous devons obligatoirement agir comme ivre? Parce que si le messager du temps de la fin, il a agi comme ivre, nous aussi, dans notre expérience, nous devons agir, n'est-ce pas, comme ivre. Nous n'avons pas le choix. C'est vrai que c'est la souveraineté de Dieu. Dieu peut agir avec une personne de telle façon ou de telle façon, mais en général, la manière dont nous voyons les choses, la manière dont les choses se passent, parce qu'aujourd'hui, les gens oublient, oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi commencer un peu cette prédication, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, comme je l'ai toujours dit, ce message du prophète William Harold Branham, pour le comprendre, Dieu lui-même, il nous a rappelé pour comprendre ce message, pour comprendre ce qui allait se passer, ce que William Branham allait faire, ce que Dieu allait dire dans cet âge. Dieu nous a ramené au temps de Moïse. Il a bien dit, souvenez-vous de mon serviteur Moïse. Dieu lui-même, il vous a ramené, il nous a ramené tous aux temps anciens. Pour nous rappeler exactement ce qui s'était passé. Parce que nous avons un Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est pour cela, nous devons suivre les pas des anciens. Les anciens qui nous ont précédés. Pour comprendre de quelle façon, de quelle manière dont Dieu agit. Nous devons retourner en arrière, regarder un peu en arrière, regarder comment est-ce que nos anciens ont marché. Toi, tu ne dois pas te réveiller aujourd'hui d'un bond et dire que non, oh voilà, non. Parce que Dieu lui-même, il nous a recommandé quoi? De regarder un peu en arrière pour comprendre ce qui va se passer quand, pas dans le futur, aujourd'hui. Dieu nous a envoyé au temps de Moïse. De ce qui s'est passé en Horeb, pour comprendre le Malachie 4 d'aujourd'hui. Mais regardez une chose, bien-aimée. Nous aussi aujourd'hui, comme Dieu nous a ramenés au temps de Moïse, pour comprendre qu'est-ce que Malachie 4 allait faire aujourd'hui, Dieu nous a dit ceci. Ce qui s'est passé en ce jour-là, se passera de même en ce jour. Où la manifestation de Malachie 4 délie le prophète. Frères et sœurs, maintenant regardez. Dieu, il donne la promesse. Il dit ceci. Cet Élie-là, qu'est-ce qu'il allait faire? Cet Élie, il allait faire quoi? Il allait ramener les cœurs des enfants. Frère, Dieu, il ne change pas sa parole. Dieu, il est parfait en tout. Dieu, il dit que cet Élie, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait ramener les cœurs des enfants. Moi, je prends toujours notre parti à nous. Parce que ramener le cœur, les cœurs de père aux enfants, ça, c'est une affaire déjà, c'est de l'histoire.
Ça, c'est une affaire de Jean-Baptiste. C'est déjà passé. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce qui concerne le messager du temps de la fin. Ce qui s'appelle William Marion Branham. Lui, son travail, c'était de faire quoi? De ramener exactement comment, littéralement, la manière de se comporter, la manière de marcher, la manière de faire les choses, la manière dont les choses se sont passées ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, les prédicateurs, ils montent en chair et ils disent des choses sans pour autant comprendre que non, ou savoir que non, au milieu de nous, il n'y a pas que des érudits. Au milieu de nous, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Essayez de parler le langage de Jésus-Christ. Jésus-Christ a parlé d'une certaine façon, d'une manière auquel même un clochard dans la rue qui n'a pas été à l'école pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, à la chair, les gens viennent nous montrer leur diplôme, leur manière de parler, comment raffiner le français. Non, bien-aimé. Essayez d'expliquer les choses dans une manière de ABC. Au lieu même de commencer par l'alphabet, commencez même par les voyelles. Pour que les gens puissent comprendre le message. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait des années dans le message et ils ne comprennent pas encore qui ils sont. Ils ne comprennent pas encore que non, durant toutes ces années, ils se retrouvent nulle part, ils sont nulle part. Alléluia. Le messager du temps de la fin, son travail était de ramener littéralement les cœurs des enfants à leur père. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit imaginer, ce n'est pas quelque chose qu'on doit commencer à chipoter ou je ne sais pas comment, non. C'était ça le message de William Harold Branham. À quel père? Qui sont ces enfants-là? Par rapport à qui? Ces enfants-là, c'est vous, c'est moi aujourd'hui. Ces enfants-là, ce sont les enfants au temps présent. Ces enfants-là, c'est l'enfant qui reçoit le message de son jour. Et le message de son jour doit lui ramener à la foi apostolique de nos pères, les apôtres. Quand nous parlons de Matthieu, quand nous parlons d'André, quand nous parlons de tous ces hommes-là qui ont été à côté de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est parti, ces gens-là pouvaient agir d'une certaine façon comme le monde. Il n'y avait pas de différence. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Nous disons que nous avons Dieu, Dieu au milieu de nous. Mais nous agissons toujours de la même manière quand nous étions dans le monde. Mais quand quelque chose s'est passé avec ce groupe de gens, ils n'ont plus agi de la même façon qu'ils étaient avant. Et le message de William Harold Branham est venu exactement nous ramener à ce qu'étaient ces gens-là. Ça veut dire quoi? Littéralement, nous devons réagir et agir comme ces gens-là. Si Dieu, qui est le Saint-Esprit, avait agi d'une certaine façon avec ces gens-là, Dieu, le Saint-Esprit d'aujourd'hui, doit agir la même chose, de la même façon. Donc si dans ton ministère, si dans ta vie, tu vois que les choses, même pas les choses de toi, la personne, l'individu, tu trouves que tu n'agis pas comme les apôtres, comment est-ce que tu vas le savoir? Quand tu lis ce que les apôtres ont produit, et que cela ne se passe pas dans ta vie, et que cela ne s'est pas encore passé dans ta vie, frère, pose-toi des questions. Révolte-toi. Bien-aimés, nous parlons de la rue Azusa. C'était une effusion. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Cette effusion du Saint-Esprit, quand nous prenons la Pentecôte, au temps de Pierre, et nous la mettons dans le miroir, avec ce qui s'est passé dans la rue Azusa, c'était exactement
et vous prenez la vie de Branham. Quand vous regardez cela dans un miroir, vous voyez exactement la même chose. Et aujourd'hui, frère, nous sommes à la fin. Ce n'est plus le moment de condamner les gens. Les gens, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas qu'ils doivent agir? Olinga, olingate, ils doivent agir comme le monde. Vous êtes là, Dieu de la chair, en train de les blâmer, de les blâmer, de les blâmer, mais vous ne les montrez pas comment recevoir Dieu. Pourquoi tu veux me donner la nourriture tout le temps? Hein? Montre-moi où, là où toi tu puises la chose, et que moi aussi j'aille puiser la chose. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Le problème c'est que quand nous parlons trop, c'est comme si c'est nous-mêmes qui parlons. Et moi, c'est une des choses que je n'aime pas. Moi, j'aime quand un prédicateur parle. Il lit aussi les brochures. Il motive ce qu'il dit par la parole. Et n'oubliez pas le titre de ma prédication. Agir comme ivre. Pas autrement. Je veux prendre dans la brochure, questions et réponses. Prêché à Jeffersonville en 1954. C'était un dimanche, c'est dans les COD. Hein. Écoutez très bien, bien-aimés. Parce que je vais faire un fondement bien costaud, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes obligés de recevoir le Saint-Esprit. Vous pouvez bon monter et descendre quand vous n'avez jamais eu l'expérience du Saint-Esprit dans votre vie. Quand toi-même, tu ne peux pas avoir un témoignage de toi-même, une expérience personnelle que tu as reçu le Saint-Esprit, frère, tu vas aller en enfer. Que tu le veuilles ou pas. Moi, Dieu m'a dit de ne pas vous dorloter. Moi, mon ministère, ce n'est pas pour dorloter des gens. Mon ministère, c'est de dire aux gens ce que le prophète Branham a dit. La pensée exacte de Dieu, de répéter exactement ce que le prophète Branham a dit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Question-réponse de 1954 au paragraphe 55. C'est dans le COD. Et c'est la question-réponse numéro 2. Le prophète Branham dit ceci. Oh, j'espère que vous ne vous fâcherez pas contre moi. Ah, comme moi aussi aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas vous fâcher contre moi. Moi, je ne fais que lire la parole. Et le prophète Branham ne faisait que lire la parole. Et c'est en toi d'en juger. C'est en toi d'en faire ce que toi tu veux. Moi, je ne suis pas responsable. Parce que je lis, ce n'est pas ma parole. Il dit, j'espère que vous ne vous fâcherez pas contre moi. Ici, si je vous présente quelque chose de façon très claire, ça c'est le prophète, hein? Si je vous présente quelque chose de façon très claire, voyez, ne le faites pas. C'est que je dois le dire parce que quelque chose me contraint. Vous voyez, il continue à le dire, regardez, maintenant, regardez. Ça veut dire que quelque chose en lui le poussait à le dire. Le message, c'est Dieu qui l'a prêché. Lui-même. Même l'homme Branham, il s'est tellement abandonné à Dieu qu'il n'avait même pas son propre choix. Il n'avait plus de volonté, il ne faisait que la volonté de Dieu. Il dit ceci. Il dit, maintenant regardez, là je dirais ceci. Il y a des gens
qui croient à la justification par la foi. Voyez ? Et ils mènent une bonne vie, propre, sainte. Ils croient aussi à la sanctification. Ils reçoivent. Considérez Judas Iscariote. Judas Iscariote a été justifié lorsqu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ et qu'il a accepté comme son sauveur personnel, Judas Iscariote. Judas Iscariote a été sanctifié dans Jean 17:17 et il a reçu le pouvoir dans Matthieu 10 d'aller chasser les démons. Et Judas Iscariote est revenu après avoir guéri les malades et chassé les démons. Il est revenu en se réjouissant et en poussant des cris de joie autant que n'importe quel est bon exalté. Pas vrai? La Bible le dit. Mais quand il est arrivé à la Pentecôte, là, il s'est montré sous son vrai jour. Maintenant, observez cet esprit. Je vais continuer à lire. Bien-aimé, Judas Iscariote. Frère, mais c'est pour cela que le prophète il avait dû retenir à dire ça. Judas Iscariote, le diable incarné, il était sanctifié. My. Judas Iscariote, il était sanctifié. Le prophète de Branham dit, il avait même reçu le pouvoir d'aller chasser les démons. Et Judas Iscariote, il a crié, il a sauté dans la joie, il s'est réjoui d'avoir chassé les démons. Frère, vous avez des prédicateurs sorciers. Des prédicateurs qui n'aiment pas. Frère, je vais continuer. Ce n'est pas moi, je vais continuer. Vous devez avoir la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons lire ça. C'est le prophète qui recommande ça. Dans vos églises, il faut qu'il y ait des dons qui se manifestent. Frère, si les dénominationnels qui n'ont pas le donateur des dons, et ils réclament des dons, ils ont des dons. À combien plus forte raison, nous qui avons le donateur dans le camp, frère, wow, nous qui avons le donateur lui-même, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit créateur, au milieu de nous, le Père lui-même, au milieu de nous, frère, s'il leur donne des présents, à combien plus forte raison, lui-même, le donateur des présents, il est au milieu de nous, à combien plus forte raison, devrions-nous pas manifester tous les signes que les dénominationnels manifestent. Parce que les signes que les dénominationnels manifestent, ce sont nos signes à nous. C'est notre puissance à nous. C'est notre apanage. C'est notre nourriture. Frère, revenez sur terre. Ne ramenez tout pas. Il ne faut pas ramener tout au pentecôtiste. Arrêtez. Nous voulons voir ce Dieu-là agir. Mais Judas, hein, il avait, le prophète Branham dit ici, je le lis, vous l'avez entendu, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ lui a donné la puissance, frère, la puissance de faire quoi? D'aller chasser les démons. Il lui a donné la puissance de prier pour les malades. Il lui a donné la puissance d'être plein feu à prêcher la parole. Mais quand il s'agit des choses de l'esprit, quand il s'agit de prêcher le Saint-Esprit, quand il s'agit de prêcher la manifestation du Saint-Esprit, Judas Iscariote, nous venons de lire ça. Allons-y. Là, c'était au paragraphe 55. Maintenant, toujours dans question-réponse numéro 2, prêchant 54. Maintenant, au paragraphe. Alléluia. Alléluia. Maintenant, au paragraphe 50. Non, 57. Voilà. On a lu au paragraphe 55. Et maintenant, au paragraphe 57. Je me suis trompé avec l'année. Parce que les écritures s'entassent. Le prophète Branham dit ceci. Il dit, il y a des gens dans le monde aujourd'hui
des gens qui sont des bons chrétiens, qui croient à la justification. Ils sont nombreux, des milliers, des millions, à croire à la justification. Mais ils ne peuvent, ils ne veulent avoir rien à faire avec la sanctification. Disons que ce sont des presbytériens, les épiscopaliens, alléluia, et ainsi de suite. Eux, ils croient à la justification. Ils la prêchent. Et c'est bien, ils ont raison. Hein? Frère, il faut avoir le Saint-Esprit en toi pour connaître qui te prêche. Parce qu'il va vraiment te prêcher la sanctification. Il va vraiment te prêcher la justification. Alors, à fond, et tu vas te dire que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Mais loin de là. Loin de là, laisse tomber. Loin de là. Nous allons lire ça. Et puis, vous allez comprendre. Mais n'oubliez pas, le titre d'aujourd'hui, là je ne suis pas encore dans mon message, je fais juste un fondement. Le titre d'aujourd'hui c'est « Agir comme ivre ». Parce que nous voulons voir le Saint-Esprit agir au milieu de nous, pas au milieu de nous, en toi. Praise God. Paragraphe 58, le prophète Branham dit ceci: « Mais alors, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les méthodistes libres, ils vont plus loin, jusque dans la sanctification. Eux, ils croient à la sanctification. C'est exact, ils ont raison. Et ils obtiennent de victoire. Et ils poussent les cris de joie. Et ils louent l'Éternel. Amen. Il dit ceci: ils sont dans le vrai. Le prophète Branham ne conteste pas ça. Il dit ceci: ils ont raison. Mais parlez-leur aux uns ou aux autres du baptême du Saint-Esprit et de la naissance des signes et des prodiges. Et là, tout de suite, ils vont se montrer sous leur vrai jour. Ils diront: je ne veux pas de ça, je ne crois pas. Eh bien, même bon, mes amis les Nazaréens, croient qu'un homme qui parle en langue, c'est du diable. Et mon frère, si vous faites ça, est-ce que vous avez compris? Hein? Être sanctifié, aller aux eaux du baptême, c'est bien. Être purifié et aller aux eaux du baptême, c'est bien. Écouter la parole, être sanctifié, c'est bien. Mais en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, en ce qui concerne les signes, le prophète Branham me dit les signes. C'est quoi, mes frères? Mais bon, mais tu m'as dit un message. Mais bon, mais quand on décortique, t'as mis nos mots. Balabi, les signes, bilembo. Bilembo, mais posez-vous un peu de questions. Hein? Le prophète Branham, il allait bouquiner. Il prenait des dictionnaires, il prenait des livres, des érudits, il regardait des mots. Parce que quand il s'étiendait du haut des gens, du haut de la chair, devant les gens, devant une congrégation, il doit savoir de quoi il parle. Des signes. Bilembo, mozanini. Parole. Au moment d'aboyer, je ne dis pas non. Hein? Je ne refuse pas la parole. Je ne dis pas non à la parole. Je suis moi-même la parole. Hein? Je crois que je suis moi-même la parole. Hein? La parole doit quitter les brochures. Hein? Et se faire chair en toi. Hein, frère? Mais où sont les signes? Oh, ce sont les pentecôtistes. Oh, vous cherchez comment les... Oui, je cherche les signes. Oh. Ngaï naza na nzambe na kati na ngebongo nazo souffrir. Nzambe wa barke ni noa. C'est quel genre de Dieu ça? Hein? Dieu est en moi et je souffre. Frère, j'ai une citation ici, je ne sais pas si je vais lire ça. Le prophète Branham dit, hein, tu vois, les épreuves, hein, les épreuves qui viennent, c'est pour que les attributs de Dieu puissent se manifester. Ce n'est pas une souffrance. Hein? C'est juste pour les attributs de Dieu. Hein? Toi, frère, au niveau de l'ingaté, tu dois tomber malade. Hein? Tu dois tomber malade. Il faut tomber malade. Il faut que tu aies le cancer. Hein? Il faut que tu aies la malaria, une telle maladie qui est incurable, je ne sais pas moi quelle maladie, même qui est, je ne sais pas moi qui est guérissable, je ne sais pas. Tu dois, pour que l'attribut de Dieu, une des attributs de Dieu doit se manifester en toi. Dieu t'a créé pour ça. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin de signes. Voir Dieu se manifester. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à la chambre haute? À la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé? Hein?
Oh Dieu, oh Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth, le Dieu de Branham. Alléluia. Toujours dans la même brochure, paragraphe 59, le prophète Branham dit, eh bien, ils ont exclu le docteur Reinhard des missions au Soudan. Écoutez, veut dire qu'ils ont exclu quelqu'un, ils ont chassé quelqu'un. Pourquoi? Il dit ceci, il en était le président parce qu'il avait parlé en langue. Ils ont dit, on ne peut pas permettre ça. Frère, vous avez compris? Parmi les signes que le prophète Branham vient de dire, il y a déjà le parler en langue. Frère, dans votre église, à quand il dit, alors, en langue, il était. Hein? En langue, kaka, mokoyo. Hein? Vous tabassez le fait de parler en langue comme je ne sais pas comment. Mais les gens qui sentent ça, mais ils vont se retenir. La Bible dit que non, l'esprit des prophètes, je ne sais pas moi, est soumis aux prophètes. Hein? Frère, il faut motiver ce genre de choses. Il faut motiver ça. Hein? Vous n'avez pas encore un vrai dollar. Un vrai dollar, ça n'existe pas. Mais vous êtes déjà occupé à frapper le faux dollar. Pendant que les gens n'ont même pas encore vu le vrai dollar. Frère, et ça l'a raté. Quand vous frappez maintenant le faux dollar, qui vous dit que non, c'est le faux dollar? Parce que vous ne savez même pas comment est-ce que c'est le vrai dollar. Vous ne savez pas faire la différence parce que vous n'avez pas l'autre côté. Parmi les signes, le prophète Branham dit, je veux dire que le tout petit don de tous les dons. Jésus-Christ a parlé en langue à la croix. Depuis qu'il était né, 33 ans après, à la croix, il a parlé en langue, le tout petit don. Bozotez les mélamos. Vous ne voulez pas de ça, frère. Hein? Évangile de la manaboyamou. Je ne veux pas de cet évangile-là. Moi aussi, je veux. J'ai envie de faire la différence. Que ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais quand il n'y a rien. Et que c'est faux. Mais où est le vrai? Mais le jour où je verrai le vrai, pour moi, ça sera le faux. Béni soit le nom de Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Le prophète Branham dit ceci. Où en étais-je? J'ai dit, paragraphe 60, il dit, dans ce cas, vous ne pouvez pas prêcher comme Paul. Tant que vous êtes, si vous êtes contre le parler en langue, vous ne pouvez pas prêcher comme Paul. Vous ne pouvez pas accepter l'évangile de Paul. Car Paul a dit, n'empêchez pas le parler en langue. N'empêchez pas le parler en langue. Je lis le prophète, frère. Alléluia. Oh, alléluia. C'est vrai. Mais eux, ils disent que c'est du diable. Mais c'est ça que nous entendons toujours. Ils en ont vu beaucoup de contrefaçons. Ah, non, écoutez-y. Le prophète Branham dit, ils en ont vu beaucoup de contrefaçons, alors ils estiment que tout le reste, c'est pareil. Non! Non! Il y a beaucoup de gens qui ont tellement entendu. Hein? Ils ont tellement entendu de fausses choses sur la manifestation de l'esprit. De fausses choses, frère. Et aujourd'hui, ils croient que ça n'existe plus. Tout ce qui est manifestation de l'esprit, c'est faux. Nous seulement la parole. Nous seulement la parole. Nous seulement la parole. Ah, frère. Le prophète Branham dit, Judas Iscariote, le diable incarné, à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ même avait dit que parmi vous, il y a un qui va me trahir, le diable lui-même. Hein? Le prophète Branham dit, il était sanctifié. Il avait reçu le pouvoir de chasser les démons. Il avait reçu le pouvoir de guérir les malades. Frère, et il s'en est réjoui. Et maintenant, si vous voyez un faux parler en langue, vous voulez bannir le parler en langue de Dieu? Et pourquoi vous me dites que notre Dieu existe? Il faut faire face à ces choses. Dieu va susciter des pierres pour nous.
prophète Balaam continue, il dit, voyez, mais voilà, c'est une église qui a été justifiée, sanctifiée, mais qui nie le fait que le baptême du Saint-Esprit est une œuvre différente de la sanctification. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la sanctification. Les œuvres de la sanctification n'ont rien à voir avec les œuvres du Saint-Esprit. C'est bien, vous êtes avec Dieu, vous avez été sanctifié, vous avez été purifié. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Les enfants de Dieu ont besoin de ça. C'est pour ça que le prophète Branham dit, répétez ce que disent les bandes. Moi, je suis en train de lire. Il n'y a personne qui va me condamner de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je lis. Je ne fais que lire. Oh, je crois au prophète. Eh, Yango. Il dit ceci. Pourtant, il est. Il est une œuvre différente. Il dit certainement. On continue. Ça, c'est juste une fondation. Ce n'est pas encore mon message. Parce que mon message aujourd'hui, c'est quoi? C'est agir comme ivre. Nous voulons voir ce Saint-Esprit-là agir dans nos vies. Si ce n'est pas dans ton église, mais dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, quand tu te laves et quitter la ouane, que ça descende là. Hein? Frère, nous allons au ciel. Hein? Nous allons au ciel. Hein? La partie de l'arc-en-ciel que Dieu t'a donné, c'est le gage que Dieu t'a donné pour te dire que tu vas retourner au ciel. Le gage que Dieu t'a donné, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. Toi tu n'as même pas cette partie-là. Comment tu iras au ciel? Le prophète de Branham dit, Jéhovah, ce n'est plus Dieu avec lui-même. Il est seul, non. Jéhovah, c'est Dieu avec sa famille. C'est pour cela, quand il a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre. Et l'homme, il était un Dieu amateur. Dieu, l'homme, il avait le pouvoir d'assujettir tout ce qui était sur la terre. C'est pour cela, vous verrez, vous entendrez que Adam pouvait donner le nom. Parce que Adam était un Dieu. Où est la partie qui te fait Dieu, toi? Toi qui me suis. Qu'est-ce qui te fait Dieu? Réciter les Écritures? Le prophète Branham te rappelle que Judas Iscariote, il a récité les Écritures. Il a chassé les démons. Pendant que toi, tu n'as même pas chassé un démon. Tu n'as même jamais fait une expérience de chasser un démon. Ton enfant malade. Tu n'as jamais fait des expériences dans ta propre maison. Dans ta propre vie. Et tu viens ici blabla. Et dire que non, tu as le Saint-Esprit. Où est la partie que Dieu t'a donnée? Le gage. Hein? Le gage. Seigneur, tu m'envoies sur la terre. Donne-moi quelque chose pour ne pas que tu m'oublies là-bas. Parce que je viens du ciel, je retourne au ciel. Je viens d'en haut, je retourne en haut. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Donne-moi le gage. Donne-moi le gage. Le prophète Branham dit que Dieu a divisé l'arc-en-ciel. Tout l'arc-en-ciel était Dieu. Mais Dieu l'a divisé. Il t'a donné une partie. C'est ça le gage. Ça veut dire que toi, tu as pris une partie de moi. Exode, tu as vu, hein? Exode, tu as vu? Donc, veut dire que j'ai enlevé une partie de moi. Maintenant, moi, je suis incomplet. Exode, tu vois bien que je suis incomplet. J'ai tenu ma parole. Bon, tu vois seulement là. Hein? Donc, moi, je suis un metteur en scène. Tu fais ce que moi, je veux que tu fasses. Et puis, tu vas retourner. Ah, papa, donne-moi même les cancers. Papa, donne-moi même, je ne sais pas moi quoi. Papa, que je souffre même dans la vie. Pour que ta gloire se manifeste. Pour que tes attributs se manifestent. De toutes les façons, je vais retourner. Pourquoi? Parce que j'ai la partie là de toi à moi. Tu ne vas pas me laisser là-bas mourir. Jamais. Sinon, toi-même, tu vas mourir. Vous voyez le Saint-Esprit? À quoi sert le Saint-Esprit? Bien-aimé, vous voyez à quoi sert le Saint-Esprit? Vous voyez à quoi sert le Saint-Esprit? Hein? Quand tu as le Saint-Esprit, le prophète de Branham dit, un chrétien ne pêche pas. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne pêcheras pas. Tu commettras des erreurs. Mais toi,
les erreurs que tu commets, c'est que toi tu dis péché, mais toi sois seulement sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est tout. Le reste, frère, Dieu doit être, veut dire que ses attributs doivent se manifester. Frère, tu seras un voleur. Ah oui, tu seras un voleur. Mais Dieu veut que tu sois un voleur. Il viendra, il va te sortir de là, et tu seras un témoignage. Ah, grand Mouyibi! Mais il est là avec la parole de Dieu en train de prêcher. Un grand soulard! Mais il est là avec la parole de Dieu en train de prêcher. Où est ton Saint-Esprit? Tu as oublié que Dieu t'avait donné quelque chose. Mais aujourd'hui, le monde, nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés avec des animaux. Laisse-moi ouvrir un peu une parenthèse ici, là. Frère, vous savez, dans nos églises, il y a des choses qui se passent. La fois passée, j'ai prêché sur Dieu puissant dévoilé devant nous. Qu'est-ce que je dis? Je dis ceci. Ma pensée était celle-ci. Que toi, l'individu, toi-même, tu dois te conformer à la parole. Ne regarde pas à X ou à Y. Non, pas du tout, toi-même. Mais n'oublie pas. Vous savez qu'à l'église, là, il y a aussi des animaux. Le seul homme humain que Dieu a dit humain, c'était Adam, dans le jardin d'Éden. Les autres, c'était des animaux. Des animaux. Même le serpent, c'était un animal. Un animal. Le prophète Branham a dit, il avait presque une âme. Presque, mais ce n'était pas une âme. Dieu n'est pas un Dieu de presque. C'est un animal. Maintenant, cet animal est allé coucher avec Ève. Et Ève est tombée enceinte. Et Ève va donner quoi comme enfant? Dites-moi, vous qui me suivez là, Ève aura quel enfant, quoi comme enfant? Est-ce que Ève aura un enfant humain? Mais dans vos églises, vous avez aussi des animaux. Attends, je vais ouvrir ça bien. Veut dire qu'un animal, veut dire que le serpent, pas le serpent qui rampe aujourd'hui, le serpent là, il est dans la même catégorie qu'un chien, qu'un lion, un hippopotame, un taureau, une vache, un cochon. C'est ça qu'était le serpent. Comme un chimpanzé, comme un macaque. Non, il faut qu'on vous dise les choses comme il se doit. C'est comme ça qu'était le serpent. Donc dans nos églises, nous avons les enfants de Caïn, les enfants du serpent, les descendants de Caïn, dans la généalogie de Caïn, toute la généalogie de Caïn, a commencé par son papa, Satan, le serpent de la chair. Des animaux. Ils sont dans nos églises. Ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit. Ils sont dans la chair et prêchant n'importe quoi, détournant les enfants de Dieu dans la vraie parole, dans la vérité, dans le vrai chemin. Oui. Oui. C'est ça. Bon, toi qui vas maintenant à l'église, est-ce que tu vas te préoccuper de la personne qui est à côté de toi? Tu ne sais même pas si c'est un chien. Hein? Tu ne sais pas si c'est un chien ou si c'est un chat. Hein? Tu ne sais pas. Et tu vas te préoccuper de lui. Frère. Osobuma. Hein? Osobuma. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le prophète Branham dit ceci. Il dit. Oh, où étais-je? Écoutez. Il dit ceci, paragraphe 62, le prophète Branham dit ceci. Or, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Parce que, mais, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Et vous pouvez être justifié et sanctifié les deux. Et pourtant, ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Voyez, c'est vrai. Ça, c'est l'Écriture. Ce sont ces trois-là, il a dit, qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang, l'Esprit. Et ils sont d'accord. Voyez, ils ne sont pas un.
Bomanayo. Tu trompes les enfants de Dieu. Tu es fou. Branham avec la plénitude. Lui-même, il dit. Dieu le donne en mesure. Et aujourd'hui, tu pries au nom de Branham parce que tu as résolu que non, Branham avait la plénitude. Mais c'est normal que tu dises ça. Mais tu es obligé d'adorer Branham. Si Branham avait la plénitude, mais tu es obligé d'adorer Branham. Adore-le, vas-y. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, je parle avec les enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Toi, moi, je ne te parle pas. De toute façon, tu ne m'écoutes pas. Mais je te dénonce. Tu crois qu'on va te laisser comme ça? Là où tu es, on te laisse comme ça, tranquille, peinard, tu es assis. Bah, tu gobe de moi, là, aux anaises. Hein? L'enfer est sur la terre. Jésus-Christ a dit, il a déployé aussi sa puissance. Frère, il y a eu une demi-heure de silence depuis que le monde a été monde, depuis que le ciel a été ciel. Pour la première fois, une demi-heure de silence. Pour que ce message soit prêché. Vous savez quelle puissance que Dieu a déployée sur la terre? Pour le moins, on a dit, on a dit, ne baisse pas les bras. N'écoute pas n'importe quoi. Tu es un fils de Dieu. Tu es un Dieu amateur. Dieu t'a créé pour assujettir tout sur la terre. Et ce que tu vois dans ta vie, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves que Dieu met devant toi. J'ai la citation, si je peux lire ça. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Ça va me prendre beaucoup de temps. Ah ouais? Frère, revenons un peu sous terre. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Littéralement, tu es un Dieu. Ne commence pas à réfléchir. Non! Tu es un Dieu. Comment il s'appelle? Le frère Billy Paul Branham. Il disait que son papa, devant des problèmes, il n'était pas ébranlé. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester ses attributs à travers moi. Ok. Je suis là, papa. C'est quoi? Il faut qu'une maladie vienne. Allez, maladie entre. Papa, lui-même, il vient, il manifeste sa gloire. Ah! Faisons des guerriers. Faisons des. La gloire revient à qui? À Dieu. Dernièrement, le pasteur Barouti, je ne sais pas si c'était à Bounia ou à Mbandaka ou je ne sais pas où. Il a prié pour un enfant, une petite fille. Allez voir Branham TV dans Écoutons le pasteur. Écoutons le pasteur, c'est là. Allez voir, frère. Allez voir. Visitez Branham TV. www.branhamtv.be. Allez-y, regardez. Une doigt a poussé. Ce pouce qui était coupé. Pouf. La partie ici, là, tombée, disparue, c'est parti. Il n'y avait plus rien. Le pasteur Barouti tient le doigt comme ça là. Et il prie. Pouf! L'enfant est parti. Et ça a poussé. Et vous ne voulez pas l'évidence du Saint-Esprit dans nos vies. Pourquoi? Frère, je sais que si je continue avec ça, je ne vais pas m'arrêter. Je vais directement changer parce que je sens vraiment que non, l'onction est là. L'onction est vraiment là. Et je veux directement entrer dans mon message. J'entre maintenant dans mon message, frère. Oh là là. Frère, dans nos églises, nous devons manifester le Saint-Esprit. Dans nos églises, nous avons besoin de cette puissance. Dans nos églises, nous avons besoin des signes qui prouvent que Dieu est au milieu de nous. Non, frère, écoutez une chose. Moi, j'ai toujours dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est donné à tout le monde. Même les dénominationnels le font. Ça, c'est autre chose. Mais ce que nous, on parle ici, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte.
Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Retournons maintenant et voyons, regardons ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est ça que nous avons besoin de voir aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui ont été le vous n'avez rien. Que dalle. Vous ôtez les menaces d'esprit. Mais ce n'est pas normal. Hein? Une personne qui sent quelque chose en lui, quand il voit que vous ôtez les menaces tout le temps, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contenir. Il va bloquer ça. Hein? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Hein? Il va gérer ça. Et après, il n'y aura rien. Et vous verrez la personne après, il deviendra rebelle. Pourquoi? Parce qu'il étouffe quelque chose. Il doit dégager. Laissez-le dégager. Agir comme ivre. Allons-y maintenant. Prenons la prédication. L'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée. Prêché. Le 11 décembre 1960, c'était le soir à Jeffersonville. Le prophète Branham dit ceci, hein. Il dit, que pensez-vous qu'il arriverait dans l'église méthodiste, hein? Dans l'église méthodiste, si le Saint-Esprit descendait sur l'église et que les gens se mettaient à crier, à sauter, à parler en langue et à agir comme des gens ivre. Je réponds. Le prophète Branham pose une question. Que pensez-vous qu'il arriverait dans l'église méthodiste si le Saint-Esprit descendait sur l'église et que les gens se mettaient à crier, à sauter, à parler en langue et à agir comme des gens ivres? Eh bien, là, conférence générale des églises méthodistes les exclurait du milieu d'eux. Est-ce que maintenant vous comprenez, frère? Hein? Quand vous avez un pasteur, hein, qui est contre les manifestations du Saint-Esprit dans l'église, il dit ceci, il décortique, il dit, quand des manifestations comme sauter, crier, parler en langue, courir, tomber par terre, si ces choses-là se passaient dans certaines églises, les dirigeants, la hiérarchie de cette église-là prendraient ces gens-là et ils vont les mettre dehors. Et le prophète Branham dit, agir comme ivre. C'est quoi comme ivre? Moi, comme je suis là, admettons que je suis dans le monde, comme je suis là, qui dirait que je suis ivre? Personne. Mais quand je vais commencer à tomber, hein, à marcher d'une certaine façon, à parler comme si, hein, là, on remarque, non, cet homme, il est ivre. Ce n'est pas de la bière. Si ce n'est pas de la bière. C'est de la, c'est, si ce n'est pas de l'alcool, ça sera la drogue. Mais du moins, tu es ivre. C'est là qu'on reconnaît qu'une personne est ivre. Je continue, frère. Je vais aller doucement et je vais finir bientôt. Il dit ceci. Là, c'était l'âge de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960, le soir à Jeffersonville, au paragraphe 257. Il dit ceci. Vous le savez, qu'arriverait-il dans une église baptiste si cela se produisait la même chose? Et chez les pentecôtistes, il est arrivé la même chose à beaucoup d'eux. C'est certain, leur église ne pouvait pas s'accommoder de ces folies. Frère, moi, allez, écoute, ils disent, oh, ils ont même abîmé nos nouveaux tapis, c'est vrai. Quel pauvre misérable! Mais oui, c'est misérable! Hein? C'est misérable, frère! Hein?
Les gens ne veulent plus de la manifestation du Saint-Esprit. Et vous, vous dites que vous avez Dieu. Mais c'est ça Dieu? Quand Dieu est au milieu de vous, les gens sont occupés à tomber là-bas, à faire ceci, à faire ceci, à faire cela. Hein? Mais c'est ça la manifestation de Dieu? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Vous pensez que non? Moi, au début de ce message, je vous ai dit ceci. Que le messager, Dieu nous a ramené à Horeb. Ce qui s'est passé là-bas avec Moïse. Et il nous a dit aussi que le messager du temps de la fin, nous remplaçons X par sa valeur qui est William Aaron Branham. Son message était de faire en sorte que notre vie aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les apôtres jadis, puisse se passer de la même façon avec nous. La puissance de sept tonnerres, de sept sceaux, c'est ça qui nous donne cette puissance d'être baptisé du Saint-Esprit. Pour que nous puissions agir comme les apôtres ont agi. Mais ce sont des choses que nous devons voir cela dans nos églises. C'est une partie de la vérité. Si Dieu est au milieu de nous, où sont les miracles, frère? Où sont les miracles? Où sont les miracles? Hein? Où sont les miracles? Hein? Dans l'église du prophète William Aaron Branham, les gens tombaient. Hein? Écoutez un peu ce message. C'est la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Écoutez ça. Non, ne lisez pas. Écoutez ça. Quand il prêchait, les gens criaient, les gens tombaient. Ozoyo Kayango, tu écoutes ça, tu entends ça. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas que ces choses-là se passent dans vos églises? Et pourquoi toi, tu ne veux pas manifester ça, toi, frère? Hein? Parce que tu as mis ton costume de je ne sais pas moi combien, de 300 dollars, de 300 euros ou de 500, frère. Agir comme ivre, tu es obligé. C'est ce qui s'est passé ce jour-là à la chambre haute, frère. C'est là le commencement de toutes choses. Le prophète Branham dit, dans l'endroit où ils étaient, les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées. Ils étaient là-dedans, frère. Hein? Lisez les brochures. Entre nous, franchement, nous voulons voir ce Dieu-là agir. Même brochure, au paragraphe 277, le prophète Branham dit ceci, il dit, quant à vous mes amis catholiques, laissez-moi vous dire quelque chose, vous croyez à la Vierge Marie. La Vierge Marie, bien qu'étant la mère de Jésus, dut passer par l'expérience de la Pentecôte et en être remplie du Saint-Esprit, et elle s'est conduite, elle aussi comme une personne ivre, elle était parmi les 120, elle reçut le baptême du Saint-Esprit, parlant en langue et agissant sous l'Esprit de Dieu comme une femme ivre. Bon, boye misanga siko, bino bolingite batuba tutuka l'église, bolingite batuba kweya, bolingite batuba lela, bolingite batuba salaboy. Vous ne voulez pas, mais vous voulez quoi au juste? C'est quel genre de Dieu que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez, frère? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons, nous les enfants de Dieu? Hein? C'est ça que nous cherchons. C'est ça notre nourriture. C'est ça notre vie. Et c'est ça qui va nous donner l'envie d'aller à l'église. Quand ces choses-là se manifestent, je n'aimerais pas les rester chez moi. Hein? Il y a des fois, on en a marre. Hein? Nous avons besoin de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Hein? C'est que nous entendons qui se passe là-bas, 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 là-bas. Nous voulons voir ça aussi chez nous. Hein? On a été assez blâmé. Maintenant, on veut voir ce Dieu-là se manifester. Montrez-nous comment faire pour que ce Dieu-là descende. Nous voulons le voir. Hein? Marie, la mère de Jésus. Hein? Elle était là à la chambre haute. Hein? Le prophète Branham dit, elle a agi comme une femme ivre. Elle a parlé en langue. Elle a crié, elle a titubé. Hein? Oh, Nzambe Mokonzi. Le prophète Branham dit, et si la Vierge Marie a dû faire cela,
pour entrer dans la gloire, comment y entrez-vous à moins de cela? Pensez-y, c'est vrai. Marie, pour entrer dans la gloire, elle a titubé. Marie, pour entrer dans la gloire, elle a parlé en langue. Marie, pour entrer dans la gloire, elle est tombée sous l'esprit. Elle a bavé pour entrer dans la gloire. Le prophète Branham te pose maintenant la question. Toi, pour entrer dans la gloire, comment vas-tu y entrer? Toi, moi, comment est-ce que je vais y entrer moi? Franchement, entre nous. Si Marie, la mère de Jésus, celle qui a porté Jésus pendant 9 mois, hein, la mère de Jésus, elle a dû passer par là. À combien plus forte raison, vous et moi? Si le prophète William Marion Branham est passé par là, quand le Saint-Esprit l'a saisi, il s'est retrouvé je ne sais pas moi où. Si lui, le prophète, est passé par là, si ton pasteur est passé par là, à combien plus forte raison, toi, tu dois, you must. Alléluia. Prenons maintenant une autre brochure. Prêcher en 54. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Paragraphe 136. Le prophète Branham dit ceci. Ils étaient là, tous ivres, de vin nouveau. Et écoutez certainement de vous. Certaines de vous, les sœurs. Aïe. Certaines de vous, les sœurs, ici. Saviez-vous que la Sainte Vierge Marie était avec eux? Ah! Vous les sœurs à l'église, tellement civilisées, vous êtes là, vous ne dites pas Amen, c'est là. Comme ça. Hein? Est-ce que la Vierge Marie dans leur église, là-bas, la chambre haute, c'était comme ça? Oh, nous avons dosé Saint-Esprit. Toi, tu as le pouvoir de doser le Saint-Esprit quand il a envie de faire ce qu'il veut. Frère, tu te trompes, ma soeur. Hein? Le prophète Branham te dit à toi, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Hein? Elle a agi d'une certaine façon. Et toi, alors? Aux autres bombes, aux films. Hein? Parce que ceux qui ne gagnent. Mais non! Ma soeur, relâche-toi. Révolte-toi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux vivre la même chose que Marie a vécu. Ce qui s'est passé dans Marie, je veux avoir ça aussi, Seigneur. Oh, oh là là, oh Jésus. Eh bien, il lui a fallu aller là-haut. Marie était obligée de passer par là. Marie était obligée d'aller à la chambre haute. Marie était obligée d'être là avec les autres ensemble, tous assidus au temple. Hey! Pas en dehors de ça. Le prophète Branham dit, la mère de Jésus-Christ, il lui a fallu aller là-haut et faire partie de ce groupe de gens tellement ivres de l'esprit qu'elle titubait comme si elle était et comme si c'était enivré de whisky ou quelque chose comme ça. Ah! Moutouro a mené le toko. Le whisky chez nous, c'est le toko. C'est le masangami là. Basalara dengenimi. Tout le monde a bas, on a bas, balabalali. Tout le monde a bas, balabala, quoi. Quelqu'un qui s'est enivré avec le toko chez nous en Afrique. Le whisky, il est comment, frère? Hein? Nous avions eu des parents, des parents, des païens. Des ambiancés, y'a solo solo. Hein? Mon père était pilote de l'air, ma mère était hôtesse de l'air. Hein? Bon, imagine-toi maintenant. Hein? Fête na fête. J'avais des tantes qui avaient des bars, des ceci, des boîtes. Donc, moi, je suis né dans cet environnement-là, frère. Mais je sais qu'est-ce que... quand on dit ivre, moi, je sais. Moi, je comprends. Hein? Le prophète Branham dit comme si quelqu'un qui a bu du whisky, il n'a pas dit pierre. Il a dit... Le prophète Branham a pris la petite chose, la moindre, Marie. La moindre mais grande qui a porté le Seigneur, le corps du Seigneur Jésus-Christ, parole. Ivre, comme si quelqu'un, et la prophète Madame dit, est titubé, est titubé. Comme ivre, comme quelqu'un qui s'est enivré de whisky. Hein, frère? Hein, ma soeur? Et toi qui ne
vas dans ton église et tu veux que moi je sois d'accord avec toi, mon œil. Hein? Mon œil. Oh là là. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné. Quand je me suis retrouvé au ciel, Dieu m'a donné ce message-là pour dire au peuple de Dieu, Maranatha, Jésus-Christ vient bientôt. Arrangez vos vies. Arrangez vos vies. Cherchez à recevoir le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu m'a dit pour donner au peuple de Dieu. C'est pour cela que je passerai tout le temps d'Abraham TV et j'en parlerai. C'est ça mon message. Je n'ai pas un autre message. Je ne viendrai pas vous parler de ceci. Arrangez vos vies. Jésus-Christ vient bientôt, frère. Cherchez à être baptisé du Saint-Esprit. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment, frère. C'est ça mon message. Frère, il y aura des démons. Il y aura des gens qui vont m'empêcher à prêcher ce message parce que je les avais vus. Dieu m'avait dit, regarde à ta gauche, j'ai vu le diable. Le diable qui me poursuivait quand j'ai quitté le ciel et j'ai descendu sur la terre. J'ai vu le diable me poursuivre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tout est noir. Comment je vais rentrer? Il m'a dit, de la même manière que tu es monté, de la même manière que tu vas descendre. Et je suis descendu, j'ai donné mon message. Et il y avait une multitude de gens qui me suivaient. Et moi, j'étais là, je planais. Je planais, je prêchais. Mes pieds ne touchaient pas la terre. Je regardais les gens comme ça de bas. Et moi, j'étais en haut. Je les regardais comme ça. C'est ça mon message, frère. Dieu m'a envoyé pour vous dire, préparez-vous. Pas un groupe, toi qui m'écoutes. Prépare-toi. Cherche Dieu. Consacre-toi. Consacre-toi. Tu dois te consacrer, frère. Cherche Dieu. Ne cherche pas ceci, cela. Dis à Dieu, je ne veux rien de ce monde. Donne-moi simplement le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Tu veux avoir le ciel, c'est le Saint-Esprit. Cherche seulement, ne demande pas autre chose, le Saint-Esprit. Vis pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu m'a donné comme message. Partout où je partirai, partout où je passerai, je veux me répéter. Parce que je n'ai pas autre chose que Dieu m'a donné. C'est ça que Dieu m'a dit de faire. Et c'est ça que je fais. Et je sais qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de gens qui suivent Branham TV. Et si c'est la chair que Dieu m'a donnée, alors je vais taper ça là. Mais Dieu m'a déjà dit où je vais exercer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, cherchez le Saint-Esprit. Marie, elle a cherché le Saint-Esprit. Marie, pour recevoir le Saint-Esprit, elle était obligée de passer par là, là-haut où, à la chambre haute. Elle était obligée. Passage obligé. Si ce que je dis, tu sens que ce n'est pas pour toi, tu es un animal, tu es un enfant de Caïn, ça c'est ton problème. Et puis si tu m'appelles pour me dire que voilà, je vais comprendre que non, tu es un enfant de Caïn. Gloire ça reçoit rendu à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Alléluia. Paragraphe 136, le prophète Branham dit, vous devrez suivre cette voie. Il n'y a pas moyen de détourner. Vous devez suivre cette voie. Le prophète Branham dit, la Bible dit, Dieu lui-même dit, il dit ceci. Il a envoyé William Aaron Branham pour nous ramener à la foi apostolique. Que nous puissions manifester ce que ceux-là ont manifesté. Ce message ne nous amène pas en dehors. Oh, frère, papa, hein? Le message ne nous amène pas en dehors de la Pentecôte. Toi, tu crois au prophète? De l'autre côté du rideau, le prophète lui-même, il s'est conformé à cela, à Paul, à ceux qui l'ont précédé, à Pierre. Et bon, yo, les lots, oh, il y a ceux qui n'ont pas dit, ceux qui n'ont pas dit. Le pasteur Barouti. Frère, vous savez, t'as là. Oui, bien, il ne faut pas qu'on soit mon limo, ma bé. Hein? Moi, j'ai toujours dit, il faut soutenir ce vieux-là. À son âge. Hein? Paka Barouti. Il prend des moyens. Il utilise des moyens. Frère, que moi, en temps réel, je vais mourir. Tu veux que je noie?
Le pasteur Barouti, dans des pirogues, frère. Hein? Il va au fin fond, au fin fond, au fin fond, au fin fond, pour prêcher la parole. Mais le bonjour, t'es le mélaïe. Azamoutou, il a ses erreurs. Hein? Il peut trébucher ici. Il peut trébucher là-bas. Branham, il a menti. Allons même plus loin. Abraham, notre père de la foi. Hein? Il a donné à sa femme quelque chose que nous aurions pris dans le territoire au karaté. Mais il a pris sa femme pour que un autre homme couche avec lui pour sauver sa vie. Est-ce que c'est pour autant que Dieu m'a bouillé? Est-ce que c'est pour autant que Dieu a dit je ne veux plus de toi? Barout, il a ses erreurs. Pasteur Salem, il a ses erreurs. C'est un homme. Hein? Mais regardons ce que Dieu fait à travers lui. Hein? Revenons un peu sur terre. À cause de son ministère, aujourd'hui je peux vous parler. Vous croyez que je sors d'où? Moi je sors tout droit dans Agapon Tabernacle. Je n'ai visité aucune église du message que Agapon Tabernacle. Je n'ai jamais été en Afrique. Moi j'ai quitté l'Europe à l'âge de 14 ans. Dis-moi où j'ai appris le message pour vous parler comme ça. Si un ancien fait quelque chose, bon, commissaire, on est pénado, qui dit bon, non! Et du respect aux anciens! Respectez vos anciens! Si tu as une petite révélation, mais attends, parle à ton ancien! Si vous ne vous attendez pas, qu'est-ce que le prophète Branham dit? Mets ça de côté, allez-y! Prie Dieu! Dieu va, si c'est toi qui as raison, mais prie Dieu, Dieu va faire en sorte que son serviteur le comprenne! Hein? Aujourd'hui, nos anciens sont devenus des démons! Barout a commis des mots. Matusalem a commis des mots. Atayomoko. Hein? Tu dois passer par là. C'est un passage obligé. Tu es obligé de passer par là, frère. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de passer par là. Toi, tu crois que tu vas passer où? Derrière, mon œil. Respectons nos anciens. On ne parle pas à un ancien n'importe comment. Hein? On peut parler entre nous, bon voilà, tu vois, mais il faut qu'il y ait des limites. Hein? Il faut qu'il y ait des limites. Ce sont des hommes de Dieu. Dieu risque de vous frapper. Et il ne risque pas, il va vous frapper. Tu parles de ton passé comme s'il était ta mère. Excusez-moi le terme. Pardonnez-moi. Hein? Comme s'il était ta saleté, franchement. Hein, frère? Arrêtez. Respectez les serviteurs de Dieu. Respect aux serviteurs de Dieu. Il y a une prédication que le prophète Branham a prêchée. Respect aux serviteurs de Dieu. Respectez les serviteurs de Dieu. Là, on n'y a pas ces ordres. Qu'est-ce qu'il y a quoi de difficile? Hein? Respectez les serviteurs de Dieu. Il faut respecter les serviteurs de Dieu. Tellement que tu n'es jamais passé à l'expérience du Saint-Esprit, de la chambre haute, tu critiques. Frère, critique comme tu veux. Critique. Mais fais attention à critiquer tes anciens. Critique même frère Exode. Peut-être Dieu te dit, bon, Exode, lui, il vient seulement de commencer là, bon, on va critiquer, il pour Benado, écoute, Benado, bien. Pour Akemba. Mais, ma vie, on a dit. Ma vie, on a dit, Akemba. Non, mais ça, Kemba, c'est bon, l'enda. Yo, lui, c'est quoi la critique, donc, l'enda, c'est bon. Ah, frère, Kemba. Une petite révélation que Dieu t'a donnée, maintenant, tu veux commencer à. Kemba. Hein? Ici, à Bruxelles. Nous avons un ancien, c'est le pasteur Salem. Ce n'est pas parce que c'est mon pasteur. Hein? Non, moi aussi je peux dire des choses auxquelles peut-être moi je ne vois pas de la même façon que lui. Hein? Des fois il rigole et dit, mais exode-toi, moi tu es un radical. Hein? Il est l'ancien ici. Il y a beaucoup d'églises qui sont ici. Hein? Qui sont ici à Bruxelles, en Belgique. Hein? Tous ils sont passés par Agapa au tabernacle. Babo est monté. Oh, quand tu as des maillots, mon ingaï. Pour la moi-même, j'étais là.
hein, et qu'il me prouve le contraire, bon, on a dit, maïpe. Respect aux serviteurs de Dieu. Vous devez respecter les serviteurs de Dieu. Respectez le pasteur Barouti. Respectez le pasteur Matusalem. Respectez le pasteur Vibidila. Respectez le pasteur Duyoka. Respectez tous ces gens-là. Ce ne sont pas vos petits-enfants. Basaba la bitine la binote. Hein? Duyoka. Vous la respectez. Barouti. Tu connais Barouti. Hein? Tu connais Duyoka. Vibidila. Moi, là, non. Nous, nous sommes des Africains. Quelqu'un qui te dépasse d'un jour, tu l'appelles Yaya. En Afrique, il t'oblige d'appeler Yaya. Et tu l'appelles Yaya jusqu'à ce que tu me vois, c'est Yaya, c'est mon Yaya, c'est ma Yaya. Hein? Et des grands hommes comme ça, là. Toute une nation, Bazo Lenga. Hein? Toute une nation, Bazo Kolenga, Batouana. Toute une contrée, Bazo Kolenga. Frère, et toi, parce que tu sors de je ne sais pas moi où, tu veux tenir tête à ce vieux-là. Si Dieu t'a donné quelque chose, et c'est dans mon problème, il était. Le prophète de Branham me dit, trouve ta chair, que ne mette l'ibaya, fiakula, fiakula. Ceux qui parlent en Zambé, ils sont là dans ces églises-là, et que Dieu veut qu'ils puissent sortir de ces églises-là, ils viendront. Mais toi, ne parle pas du mal de ces gens-là. Hein? Un petit joueur, tu as une église de 20 personnes, de 50 personnes, plus ou moins de 10 personnes, ou même de 10 personnes, de 11 personnes. On va te la Matusalem. On va te la Barouti. On va te la Vibidila. On va te la Dioka. Frère, tu es malin. Vis ta propre vie. Dioka, il répondra étant que Dioka. Passer Barouti, il répondra étant que passer Barouti. Passer Vibidila, étant que passer Vibidila. Passer Matusalem, étant que passer Matusalem. Passer Dioka, étant que passer Dioka. Chacun a sa portion. Chacun a sa vie. Hey. Toi, tu répondras étant que toi, étant qu'Exode. Si tu veux critiquer Exode, parce qu'Exode, peut-être Dieu a encore besoin que Exode soit façonné. Mais attention à ces vieux-là. Sinon, on se prendra que tata. Ta. Hein. Couteau à deux tranchants. Écoutez, frère, le prophète Branham me dit, vous y marcherez, sans quoi vous ne serez pas là-bas. Je ne suis pas votre juge. Ah! Je ne suis pas votre juge, mais je suis en train de prêcher l'évangile. C'est exactement la vérité. La Sainte Vierge y était. Et elle s'est conduite à... Oh là là, oh Jésus-Christ! Oh maman, maï. Oh, frère Exode, tu utilises des gros mots. Oh, frère Exode, tu utilises des gros mots. Écoutez ce que le prophète Branham me dit ici. Hein? Alléluia. Praise God. Amen. C'est exactement la vérité. La Sainte Vierge Marie y était. Et elle s'est conduite en imbécile autant que les autres. Bon. Oh, frère Exode, tu dis des gros mots. Oh, mon pasteur dit des gros mots. Le prophète Branham me dit que la Sainte Vierge Marie, elle s'est conduite d'une façon imbécile comme les autres. Imbécile comme les autres. Bon, vous qui dites que non, oh, le baptême du Saint-Esprit, oh, la manifestation, oh, bon, bon. Les gens doivent se comporter comme des imbéciles. Comme à l'ingénieur, on dit imbécile, là, yo. Les gens doivent se comporter comme. Ça veut dire que quand toi, tu insultes quelqu'un comme ça, veut dire que tu t'imagines, tu dois déjà représenter que non, cette personne-là n'est pas normale. Il fait des choses qui te contredisent. Il fait des choses qui des choses qui sont anormales. Mais c'est comme ça que le Saint-Esprit agit. Tu vois une personne de baver. Mais c'est comme ça. Gare à vous. Laissez le Saint-Esprit agir dans vos églises. Marie, la mère de Jésus, corps parole dans le ventre de Marie, a agi d'une façon comme des imbéciles. D'une façon imbécile. Je récite. Voilà la puissance quand on récite la parole. C'est ça, répéter la parole. La parole a été donnée, ce message. Le prophète Branham, quand il a dit répéter ce que disent les bandes, il faut répéter les bandes comme des perroquets. Comme des tchakous.
Oh non, je ne peux pas commencer seulement par lire. Mais on t'a dit de lire, lis. Toi, fais d'abord ce que le prophète a dit. Commence d'abord à lire. Et maintenant, nous, on verra maintenant si tu as l'Esprit de Dieu ou pas. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il va descendre en toi, pendant que tu lis, on comprendra que, Moukolo m'a envoyé, le propriétaire est venu. Hein? Praise the Lord. Alléluia. Et le prophète Bonhomme dit, elle était aussi ivre que les autres. Ces hommes et ces femmes, tous, elles étaient remplies d'un vin nouveau. Si Dieu a fait un seul... Écoutez. Si Dieu a fait un seul changement à ce programme, indiquez-moi le passage de l'Écriture où il en est question. Il n'y en a pas. Non, messieurs. C'est resté comme ça jusqu'à la fin de l'âge. Jusqu'à la fin de la Bible. Et ce sera pareil quand Jésus viendra. Regardez, pendant qu'ils étaient ivres de ce vin nouveau, regardez, nous allons voir si Dieu en a mis un homère en réserve pour vous. Quelle gloire! Quelle gloire! Louange à l'agneau! Gloire à l'agneau! Puissance à l'agneau! Mérite à l'agneau! Fidélité à l'agneau! Amour à l'agneau! Alléluia! Alléluia! Le prophète Branham a dit, regardons si Dieu n'a pas gardé quelque chose de la même chose. S'il n'a pas gardé un peu pour nous aussi. Même pas pour nous, je ne veux pas généraliser, mais pour toi mon frère. Est-ce que Dieu n'a pas gardé quelque chose pour toi aussi? Hein? Hein? Ce repas auquel Marie était privilégiée de participer. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas gardé un peu dans cet âge aujourd'hui, maintenant, là, pendant que tu m'écoutes? Pour toi aussi? Hein, frère? Je sens les secousses et mon âme réagit. Je sens l'amour de Dieu et mon âme réagit. Frère, quand est-ce que tu vas chanter cette chanson? Hein? Pendant que les gens te critiquent, là. Oh! Quand je sens cette chose! Ah! Oh, pasteur! Oh, donne-moi cette chose-là. Continue. Mais quand est-ce que toi, tu vas manifester ça? Quand tu ne vois que les autres, il n'y a que les autres. Que les autres. Que les autres, frère. Que les autres. Et toi, agir comme ivre. Tu dois agir comme quelqu'un qui a bu du whisky. Tu dois agir comme quelqu'un qui a pris de la drogue. Tu dois agir comme quelqu'un qui a bu de la bière. Tu dois agir comme quelqu'un qui s'est injecté quelque chose. Chaos de l'esprit. Quelqu'un depuis qu'il était tombé. Hein? On n'arrive pas à le relever. Tellement qu'il est loin. Hein, frère? Quand est-ce que tu vas réaliser ça? Quand est-ce que cela va se passer dans ta vie? Dis-moi quand, frère? Dis-moi quand? C'est ça la puissance, frère. Quand vous lisez la parole, les enfants de Dieu qui vous écoutent, vous prédicateurs, ils savent que ces choses ne viennent pas directement de vous-même. Ils savent que cela vient de Dieu. Ils le savent. Hein? Ce n'est pas votre parole, c'est la parole de Dieu. Hein? Ils le savent. Ce n'est pas toi qui donnes ça, c'est Dieu qui donne ça. Ils le savent. Alors toi, répète la parole. Tu n'as qu'à répéter la parole. Il n'y a pas autre chose. Répète seulement la parole. Répète la parole. Lis. Oh. Vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de votre raisonnement. Oh, je vais parler comme ça. Quand je suis là-bas, tu vois. Oh, c'est quoi? Lis. Je vais pousser les cris. Je vais pousser les cris. Il y aura une profondeur qui appellera une autre profondeur. Oh là là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Toujours dans la même brochure que j'ai lu. La rédemption dans sa totalité, dans la joie, c'est toujours la même brochure. Et maintenant, je suis au paragraphe 140. Et le prophète Branham dit ceci, hein, il dit, ils étaient tous là-bas. Et un petit prédicateur peureux qui s'appelait Pierre. Ah! La petite Pierre qui avait eu si peur de sa position qu'il avait régné Jésus,
Il était sorti en courant pour aller prier jusqu'à exaucement. Et il lui avait fallu être avec les apôtres qui s'étaient rassemblés. Il est monté sur une caisse à savon ou quelque chose comme ça. Et il a dit, eh bien, homme juif, et vous qui séjournez à Jérusalem, c'était des docteurs en théologie. Oh, il a dit, vous, homme qui, et homme israélite, et vous qui séjournez à Jérusalem, et ainsi de suite, sachez ceci, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Ceci, mais c'est ici ce qui est trop de suspension. Ceci n'est pas cela. Je veux garder ceci jusqu'à ce que cela vienne. C'était. Ah, écoutez. Il dit, c'est un fait. Paragraphe 42. Ça c'est le dit du prophète. Moi, je ne fais que lire. Si vous voyez qu'il y a des coupures, des choses comme ça, moi, je fais que lire. Ça c'est le prophète, c'est pas moi. Je ne fais que répéter. Il dit ceci. Paragraphe 42. Il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes, et sur mes esclaves. Voilà, exactement. Je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront. Je ferai paraître des signes, bilembo, en haut, dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, et mon anaki de la fumée et de la vapeur. Et avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable, quiconque maintenant invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour grand et redoutable, c'est notre jour. Dieu doit faire apparaître des signes en haut et en bas. Hein? En haut, nous avons vu la nuée, la colonne de feu sur la tête du prophète. Mais à l'église maintenant, hein? Avant que ce jour redoutable, grand et redoutable, auquel Dieu viendra embraser toutes choses, hein, bien-aimé, hein? Frère, mais quand est-ce que toi tu vas manifester ça? Quand est-ce que tu vas manifester ça? C'est individuel. Ne regarde pas ton pasteur. C'est yo! C'est toi! Hein? Tu regardes ton pasteur. Pourquoi vivant? Non, comprendre. Cette bande de prétendus prêtres, ces hypocrites, en soutane, ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Combien de temps est-ce que ça va durer? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, voilà, et pour ceux qui sont au loin, voilà, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, tout homme qui se repent, qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, et à qui Dieu donne le baptême du Saint-Esprit, voilà, il ne reçoit pas quelque chose qui ressemble à la première manne, mais il ne reçoit pas qu'une bouchée, non, de la première manne, mais il reçoit un cœur rempli du Saint-Esprit. Frère, un cœur rempli du Saint-Esprit, il faut que ça produise des signes, comme Marie. Comme il en était avec Pierre. Le prophète Branham me dit, quand cet esprit est descendu dans Pierre, il était tellement ivre, il n'a pas regardé, il a pris une caisse de savon, il est monté dessus, ou que sais-je, et il a commencé à prêcher. Il prêchait qui? Des érudits, des gens de ce monde. Et toi tu dis que non, tu as l'esprit de Dieu. Quel genre d'esprit? Quel genre d'esprit? Je vais terminer ici. Paragraphe 136. Vous allez peut-être dire un peu moins fort, mais non. J'aime le prophète Branham. Il savait. Le prophète Branham le savait. Prédicateur, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, bétaillons comme il faut. Bétaillons comme il faut. Frappe ça de la même façon que Dieu te le donne. Coca-Cola thé. Ne marchons pas avec ça. Vas-y. Le prophète Branham me dit, vous allez peut-être me dire, un peu moins fort, monsieur, un peu moins fort, un peu moins fort. Là, je sais que je parle un peu fort à ce sujet.
Donc le prophète Branham dit, je parle un peu fort à ce sujet. Autrement dit, je le fais exprès. Il faut un quota. Il faut que ça rentre bien. Mais je ne peux pas vraiment pas m'empêcher. Ah! Prédicateur! Une brebis, un animal, un descendant d'un Caïn, il est assis dans l'église. Il te fait des désordres parce que tu as prêché la parole, parce que tu as cité les Écritures. Et toi, tu trembles. Frère, le prophète Branham dit, je vais le faire. Je ne peux pas m'empêcher. Frère, ne laissez pas les gens vous conduire. Non. Si, il ne veut pas. Frère, il ne faut pas tourner les gens. Dis à la personne, la parole de Dieu dit, kia. Et s'il dit, ce n'est pas ta parole. Tu ne dois pas chercher une solution à quelqu'un. Une solution du yon, quand vous prenez. La parole, c'est comme ça. Bon, dans ton cas, la parole dit, on doit prier. Dans ton cas, la parole dit, tu dois laisser ça. Dans ton cas, la parole dit, voilà, pas ça. Et pour être, toi, tu n'es pas là pour trouver des solutions pour les gens. Hein? La parole a déjà trouvé la solution pour les gens. La parole a déjà donné tout ce que l'homme a besoin. Nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Répète simplement ça. La personne qui a Dieu, quand tu lui répètes la parole, cette personne-là, il va se conformer exactement à ce que le prophète Branham a dit. Un point, un trait. Je vais terminer ici. Le prophète Branham dit ceci. Il dit, mais je ne peux vraiment pas m'empêcher. Je veux dire que de parler aussi fort. Remarquez, regardez. Je n'écris pas après vous. Vous comprenez? Nazo, frère. Frère Exode, Azo Gang et la binoté. J'ai déjà entendu ça. Oh non, tu cries sur les gens. Tu cries sur les gens. Mais le prophète Branham, il fait quoi là? C'est comme ça qu'il était constitué. Il n'a pas une autre façon de parler. Il va parler comme il parle. Je ne crie pas sur vous. Qui est-ce que je suis? Qui suis-je moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que vous pour crier sur vous? Je ne peux pas crier sur vous. Moi, c'est l'onction que Dieu m'a donnée. Moi, depuis que j'étais enfant, quand je parlais, les... Même ma propre mère a bêté combien de fois. Toi, tu parles toujours fort. Tu parles. Je suis comme ça. Moi, quand je parle, c'est comme si ma tomate ou le bitumba. Non, moi, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je comprends que cette voix-là sonore, Dieu m'a donné ça pour la prédication de la parole. Mais je ne crie pas sur toi. I'm sorry. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi. Si c'est l'impression que je te donne, pardonne-moi. Mais le prophète Branham dit que je ne crie pas sur toi. Le prophète Branham vient de me confirmer que moi, Exode, je ne crie pas sur toi. Je parle fort. Je suis obligé de parler fort. J'ai lu ça. Et je ne peux pas m'empêcher. Parce que toi, tu te sens d'une certaine façon. Je te demande pardon. Mais je ne peux pas m'empêcher. Si je t'achope aujourd'hui, parce que je crie, demain tu vas encore t'achoper. Moi, je ne peux pas m'empêcher. Parce que ce que je dis, le prophète de Branham me dit que je répondrai. Ah oui. Moi, je vais répondre de ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne peux pas donner les gens. Je dépose comme Dieu m'a donné de déposer. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Nous avons reçu gratuitement, je donne gratuitement. Et la chose est individuelle. Tu la prends comme je la prends. Quand je prêche ici, je vous prêche. Mais après, j'ai un jour, j'appelle ma famille. Je leur parle aussi, individuellement. C'est comme le pasteur. Vous voyez votre pasteur. Lui, il fait son travail. Il fait son travail. Hein? C'est un employé de Dieu. Dieu lui a dit, prêche la parole, agis comme ça. Lui, il va agir comme ça. Et puis, basta. Ça ne va pas amener votre pasteur au ciel. Quand votre pasteur tourne le dos et qu'il rentre chez lui, c'est que lui-même, il a prêché. Il réunit aussi sa famille, il prie, il donne aussi des conseils à sa famille. Il cherche à ce que quand Dieu viendra, qu'il puisse les prendre.
Il ne veut pas, se retrouver ce jour-là que non, j'ai prêché en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Mais Jésus-Christ lui dira que Dieu lui dise, je ne t'ai jamais connu. Non, il ne veut pas ça aussi. Donc pour lui, même le pasteur, quand il se tient de la chair, lui aussi, il regarde à sa vie. Ah oui. Quand il rentre chez lui à la maison, c'est que lui, il fait avec sa femme et ses enfants pour qu'il aille au ciel. Toi, tu ne sais pas. Nous venons à l'église, on se rencontre tout ensemble. On fait quelque chose et puis voilà. Ah. Yo, l'otakaka. L'otakaka, tu n'as pas passé, hein, passé, hein. Passer dans la rue, la cave, il est hein. Quand il pleure, quand il gémit, oh Seigneur. Oh Seigneur, je prêche à tes enfants, je fais ton travail, je fais ceci. Est-ce que moi-même, je vais, est-ce que j'y entrerai, Seigneur? Est-ce que je vais entrer moi aussi? Est-ce que moi aussi je serai dans l'enlèvement, Seigneur? Hein? Seigneur, est-ce que moi aussi je serai là-bas, oh mon Dieu? Hein? Mais c'est ça que font vos pasteurs. Hein? Oh, pasteur Barouti, oh, pasteur Salem, oh, pasteur Gingandi, oh, pasteur frère, ce sont des gens qui souffrent. Hein? Qui souffrent. Hein? Le prophète Branham dit, ils vont répondre. Les ministres, ils vont répondre. C'est pour cela un ministre, il doit se consacrer. Hein? Avant de monter en chair. C'est pour cela qu'il ne faut, pas prendre un ministre dépourvu comme ça. Là, tu vas prêcher aujourd'hui. Ah, Dieu. C'est vrai que je vais être prêt, mais c'est différent. C'est quand même différent. Hein? Faut que je me prépare un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a des circonstances où voilà, bon, voilà, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais bon, hein? C'est un peu de modérer la chose. Ne pas toujours prendre la personne au dépourvu, que non, de prendre la personne à pied levé, je veux dire. Hein? Mais non, c'est pas comme ça. Hein? La personne doit avoir le temps qu'il aille en prière, et puis prendre, lire quelque chose pour donner quelque chose aux enfants de Dieu que Dieu. Non, pas que lui, Dieu, puisse donner quelque chose aux enfants de Dieu par rapport à leurs besoins. Parce que moi, je ne connais pas votre besoin. Moi, je ne fais que lire. Mais tu verras, il y a des gens qui vont m'écrire, qui vont dire, ah, frère Zode, vraiment, en tout cas, ah, frère Zode, vraiment, en tout cas. Hein? Vous savez, frère, je vais vous raconter une histoire, même pas une histoire, un petit témoignage, là. Un jour, j'ai prêché sur quelque chose. J'ai prêché, vous savez que ça a fait un tabac. Ça fait un tabac. Un tabac, ça veut dire que non, ça a dérangé les gens. À tel point qu'ils sont allés intoxiquer les d'autres personnes. Et on m'a obligé de ôter cette prédication-là. Sur Internet, que j'enlève ça. Frère, le jour où je m'apprêtais pour enlever la prédication, j'étais là, j'avais ma petite souris. J'ai cliqué un clic droit. J'ai voulu cliquer sur supprimer. Il y a le téléphone qui sonne. Une sœur, et ce n'est pas des moindres, il me téléphone. Ah, elle m'appelle toujours Papa Exode. Oh, Papa Exode. J'étais en prière. Je me suis réveillé, je ne sais pas moi, c'est à 1h du matin. J'étais en prière. Depuis l'année a commencé, j'avais demandé quelque chose à Dieu. J'étais vu prêcher. Moi, j'ai pensé que c'était l'une des émissions quand j'avais commencé. Il a dit, bon, elle a dit, je vais quand même suivre. En suivant, elle a remarqué que c'était vraiment une prédication. Elle m'a appelé, elle m'a dit, frère, Dieu m'a béni. Dieu m'a répondu. Oh, j'ai eu des pasteurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, frère, ce que tu as prêché là, ça m'a inspiré. J'ai pris ça. Je suis allé prêcher ça dans mon église aussi. La manière dont tu as représenté ça. Tu as présenté ça. C'est pour cela, frère. Si un ministre prêche la parole de Dieu et que tu sens que non, il te dérange, éteins. Passe. N'en fais pas des soucis. Respectez vos serviteurs de Dieu. Respectez tout ce que nous voyons sur Internet. Si tu vois que non, ce qu'il dit, ce n'est pas ton truc, tu mets ça de côté. C'est comme dans Branham TV. Branham TV, c'est moi qui mets. Hein? Quand je vois que non, ça là, c'est moi. Ça, c'est moi. Quand je vois que ça, ce n'est pas bon pour moi, quelque chose qui n'est pas bon pour moi aussi, je trouve que ce n'est pas bon pour toi, je ne le mettrai pas. Non, je ne veux pas le mettre.
Quand je sens que ça va me nuire, ça me nuit, ça m'ennuie, moi, je ne le mettrai pas pour que ça puisse nuire quelqu'un d'autre. Eh bien voilà, jusqu'à la preuve du contraire. Et je finis ici, toujours dans la même prédication, la rédemption dans sa totalité dans la joie, prêchée à Louisville, c'était un mardi, en 1954, au paragraphe 170... j'étais au paragraphe 146. Le prophète Branham disait, là où je me suis arrêté, « Mais regardez, je ne crie pas après vous, peut-être que je fais résonner ça, mais, oh, si vous sentiez comme moi, vous aussi, vous élèveriez la voix. » C'est une question de longueur d'onde, quoi. Tu vois, de dimensions, de superposition, quoi. Hein? Si on est là, hein, vous aussi, vous sentiriez comme moi. Ça, je vous dis la vérité. Cet empressement de dégager ce qui est en moi. Vous savez, moi, frère, moi, quand je lis, donc là, moi, pour préparer ça, donc, je veux dire que moi, pour avoir tout ça, hein, donc, moi, ça vient, ça gonfle ici. Ça gonfle ici. Je commence à être mal à l'aise, même à la maison. Ma femme ne me comprend pas. Mais elle me connaît déjà. Elle sait que cet homme-là, il va dégager. Il doit dégager. Il doit dégager. Je peux fouiller ça n'importe comment. Je peux faire. Donc, on me dit ceci. Je fais comme je ne coupe. On me dit que je suis un peu nerveux. Mais quand je vais dégager ça, je vais me sentir très libre. Si vous étiez dans la même longueur d'onde que moi, le prophète Branham dit, vous crierez, vous frapperez, c'est la force. Et cela ne dépendra pas de vous. Vous devez agir comme ivre. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il ne change pas. Et pour terminer, paragraphe 147, il dit, remarquez, oh, un cœur rempli de la manne originelle qui était tombée au commencement, ce même Saint-Esprit qui était descendu à ce moment-là, descend maintenant. Et vers qui va-t-il aller? Vers vous, vers vos enfants, vers ceux qui sont au loin, à Louisville, dans le Kentucky, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ils recevront exactement la même chose que ce que nous avons ici. Donc, le prophète Branham nous veut dire que il savait que son message, hein, allait nous atteindre. Donc il dit, la même chose qui se passe ici, ça va vous atteindre aussi, nous aujourd'hui. Et comme je prêche là, ça doit t'atteindre aussi, et tes enfants, et ta famille. Et il dit, pendant 148, il dit, c'est ce qu'il a dit, Dieu l'a béni, il a prêché, le Saint-Esprit l'a apporté, je l'ai reçu, c'est réglé, amen, voilà, ça me suffit. Je l'ai pris au mot, il l'a accompli. Si vous le voulez, vous pouvez l'avoir aussi, c'est vrai. Fin de citation. J'ai fini là. Plus je ne veux plus lire. Et je clôture maintenant. Frères et sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, écoute-moi très bien, frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Il n'y a pas photo. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas en enfer. Ce qui osa na molimo mo santuté, o kokendeli felo. Et ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le ministre qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Nzambe da pesa na molimo mo santu. Tu dois le désirer. Il faut olinga yango. Narobet et le blanc du Solomon. Je vous raconte une histoire. L'histoire de la rue Azusa. Oh, Nzambe. Merci Seigneur. Ça s'est passé aussi avec le pasteur Barouti. Hein? L'histoire de la rue Azusa. Quand la Pentecôte est descendue, quand il y a eu cette manifestation, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit,
à la rue Azusa, leur pasteur n'y était même pas. Leur pasteur n'y était pas. Même les brebis qui étaient baptisés du Saint-Esprit, qui manifestaient le Saint-Esprit, qui manifestaient le feu, qui tombaient par terre, qui criaient, qui faisaient ceci, le pasteur n'était pas là. Le pasteur lui aussi, il prêchait ces gens-là sans le Saint-Esprit. Le pasteur de la rue Azusa, lui aussi, il est allé de sa manière pour aller chercher le Saint-Esprit et Dieu aussi lui a donné le Saint-Esprit à sa manière. Allons-y à Rikini. Le pasteur Baouti, quand les gens se réunissaient là-bas au Congo, lui, il était à l'étranger. Dans mon monde Péli, lui, il était à l'étranger. Quand Dieu commençait à faire des choses, lui, il était à l'étranger. À l'étranger, là-bas aussi, lui aussi, Dieu faisait des choses avec lui. Église de Dieu. C'est une affaire individuelle. C'est une affaire de vouloir. Frère, cherche le Saint-Esprit. Cherche simplement, tout bonnement, tout simplement le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. Il n'y a pas photo. Toutes les prédications de Branham, toute la Bible, hein, toute la Bible ici, là, c'est le Saint-Esprit. Toutes les prédications que j'ai mis dans mon iPad, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai mis dans mes notes, c'est le Saint-Esprit. Frères et sœurs, cherchez le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vais te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu, il peut faire quoi? Il peut te visiter dans ta maison, là où tu es. Le pasteur n'en saura pas. Le prédicateur n'en saura pas. Le frère XY n'en sauront pas. Non, personne ne le saura. Mais il faut juste voir les signes. Tu rentres à l'église comme ça. Et vous, les prédicateurs, n'étouffez pas le Saint-Esprit. N'étouffez pas le Saint-Esprit. Agir comme ivre. Vous, les prédicateurs, écoutez cette prédication. Agir comme ivre. Les enfants de Dieu doivent agir comme ivre. Quand vous voyez cela se manifester dans vos églises, laissez ça. Boti Kayango. Laissez ça. Même quand tu prêches. Il y a des fois quand nous écoutons le prophète Branham. Il est en train de prêcher, quelqu'un donne un message. Le prophète, il était humble. Il laissait passer. Et puis il dit, voilà, Dieu vient de confirmer ce que j'ai dit. Ne soyez pas pressés. Oh frère boy. Mais vous allez ici, il sera lésé. Hein? Vous allez le démotiver. Vous allez étouffer ce qui est en lui. C'est comme mon pasteur qui dit toujours, quelqu'un qui vient aujourd'hui déjà, non, laissez-le avec son pantalon. C'est Dieu qui change. Cherchez le Saint-Esprit. Et dans nos églises, il y a des animaux. Le frère qui est à côté de toi, ce n'est pas ton frère. C'est un animal. Je ne te dis pas de le haïr. Je ne te dis pas de le soupçonner. Mais quand toi, tu viens à l'église, tu viens pour toi, pas pour ton frère. Cherche le Saint-Esprit. Voici votre Saint-Esprit. Voici comment le Saint-Esprit agit. Vous voulez savoir comment est-ce qu'il agit quand il est chez vous, quand il est en vous? C'est comme ça. Comment savoir que j'ai reçu le Saint-Esprit? C'est comme ça. Agir comme ivre. Agir comme ivre. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. Même quand tu mens, ça ne regarde que toi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les pentecôtistes, ils agissent ainsi. Mais ça, ce ne sont que des présents que Dieu leur donne. Mais nous, nous avons le donateur dans notre camp, comme je l'ai dit tantôt. À combien plus forte raison, nous allons manifester cela. Oh, bien-aimé, cherchez le Saint-Esprit. Là, je sens que je suis vraiment en bas. Là. Je sens vraiment que non, la chose est partie. Maintenant, j'ai fini. Là, c'était juste des conseils. Et tant qu'un homme, voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et on va prier le Seigneur. Dieu, notre tendre Père Céleste, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. Comme le prophète Branham dit, vient de le dire, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, j'ai peut-être crié fort, mais c'était plus fort que moi, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, le Tout-Puissant, si quelque part je lésais quelqu'un, et que ta paix puisse inonder ce cœur-là, Père bien-aimé. Mais laisse que Père bien-aimé, dans nos églises, nous voulons te voir, te manifester, parce que tu es dans le camp.
Père bien-aimé, le prophète Branham dit, la naissance, c'est toujours un gâchis. Oh, Père bien-aimé du Tout-Puissant, nous voulons une véritable naissance. Père bien-aimé Dieu de gloire, bénis ton peuple qui m'a écouté. Donne-leur le Saint-Esprit, Père bien-aimé. C'est lui qui le désire, qu'il le reçoive maintenant, au nom de Jésus-Christ. Donne-lui le Saint-Esprit. Donne-lui le Saint-Esprit. Donne-lui un réveil. Et les églises qui veulent un réveil, Père bien-aimé, accorde-leur, Père bien-aimé, pour montrer que tu es avec eux, Père bien-aimé, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Bénis mon épouse, mes enfants. Bénis ma maison. Bénis le petit travail, Père bien-aimé. Ce moindre travail que je fais, Père bien-aimé, pour toi. Branham TV, Seigneur notre Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu Père. Et bénis ce frère ou cette sœur qui m'a envoyé quelque chose, Père bien-aimé le Tout-Puissant, sur mon paper, Père bien-aimé le Tout-Puissant. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. À nous revoir à un autre numéro. Merci. Dieu vous bénisse.